J'espère que cet amour n'est pas partagé par l'héritière des Birkenfield. Ma tante, je voulais vous dire que... Je ne demande rien, je veux rien savoir. Je rougirai. Eh bien, moi, je ne rougis pas. Pas du tout. Je n'ai pas honte, moi. Pas plus que je n'ai honte de mon régiment. Mon régiment, il est là. Très bien. Oh, Sulpice, ça va. Monsieur, je vous conseille de quitter ces lieux immédiatement. Vous me renvoyez? On dirait. Eh bien, puisque vous m'enlevez, Marie, je parlerai. De quoi? Vous allez voir. Mon oncle, qui connaît votre famille, m'a révélé un secret. J'avais juré de me taire. Maintenant, on saura tout. Non! Si! Robert n'a jamais épousé votre sœur. Par pitié! Vous n'avez pas de sœur. Marie n'est pas votre nièce. Oh, mon Dieu! Marie est libre. Oh, quoi? Elle est la fille du régiment. Qu'on a trompé pour l'enlever. Madame! Jamais! Jamais! Sortez, messieurs, je vous l'ordonne. Quant à vous, Marie, rentrez dans votre appartement immédiatement. Oh, Sulpice, restez! Moi? Cette femme m'intimide comme ma première bataille. Alors, Robert! Ne prononcez pas ce nom-là! Il y a des secrets qui brisent le cœur. Écoutez, j'avais 30 ans. La haute noblesse de ma famille m'avait condamné au célibat bien au-delà de... Bref. J'étais belle, mais j'étais libre. Robert m'avait vue et mes pauvres attraits lui inspirèrent des pensées extrêmement coupables. Je l'aimais. Robert était capitaine. Nous avons été brusquement séparés à Genève où je l'avais suivi. Oh, Sulpice, ça va. Bon, plus tard, je suis rentrée au château sans elle. Sans qui? Sans ma fille! Sans mon bébé! Ma fille dont il fallait cacher la naissance! Comprenez-vous maintenant pourquoi je tremble? Ce mariage sauve tout! Il lui donne un nom, un rang, toute ma fortune! Et quant à mon aveu... Voilà la marquise! Oui. Les invités arrivent, les notaires attendent la bibliothèque et tout le monde se prépare à danser devant le château. Mon Dieu. Les soldats sont dans le pavillon, ivres et morts. Oh, sortez, faites entrer le notaire, sortez. Oh, allez chercher Marie, allez, Sulpice. J'y vais, madame la marquise. J'y vais. Allez lui parler, Sulpice, je vous en supplie, mon ami. Jamais. Je vais m'évanouir. Oh, cette duchesse. Oh. Votre nièce n'est pas là. Das kommt mir spanisch vor. Est-ce
Elle va venir. C'est sa robe. Ah le bon. Trouble, l'émotion, tout ça. Yeah. Tout le monde est-il présent? Tout le monde, sauf la mariée. Bon, puisqu'il faut attendre, hein? Attendons. Tout le monde attend. Voilà. Merci, bonsoir. Et puisqu'on attend, et pendant qu'on attend, voici la chanson suisse que vous m'avez parlé quand je suis entrée ce matin. Vous vous rappelez aussi? C'est une chanson de votre temps de jeunesse en Suisse. C'est une Schweizer folk song. Schätzeli. Elle est Schweizer, aus Bern. Maestro, s'il vous plaît, vous pouvez me donner l'entrée, autrement je me sens perdu là-dedans. Mi vergina. Ja. Durch Oberland, durch Oberland, du hast zwei Schätzli, mehr noch mehr als passer la nuit en attendant votre nièce. Elle va venir, elle a peur, elle a les nerfs si délicats. Qu'elle vient. Je vais envoyer. Envoyer? Envoyer tout de suite. Vous voulez m'envoyer tout de suite? Oui. Elle ne peut pas venir. Oh non. Non, rien ne marche. Elle refuse, elle emploie des mots et fait des gestes en paix. C'est pas la peine, elle ne viendra pas. Oh non. Non, à moi. Peut-être que je lui dise tout. Impossible. Si, elle ne refuse pas. Ah, s'il le faut, alors qu'elle vienne à tout prix, Sulpice.